madame, un bouquet de lilas. Le zesti, le troisième, il offert. Prends les abricots. Grâce. Bonjour madame, pour la RTBF, la radio belge, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes allée voter ce matin avant d'aller au marché? Cette campagne est très 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 longue, et ce qui est dommage, c'est qu'elle était assez à tôt, il n'y avait rien de passionnant. Il y a un côté aussi drôle finalement, parce que chacun essaye de tirer la bourre à l'autre, et donc finalement on rigole nous, correspondants étrangers, je pense, on rigole un petit peu, on prend beaucoup de distance, donc ça permet de tenir, et bon ça va, mais il faudrait pas que ça recommence un mois. Ce qui est très français aussi, c'est les polémiques. Je pense par exemple au fait que certains médias étrangers donnent les résultats avant 20h, ça a complètement éclipsé la campagne, ça a été le sujet de cette dernière semaine de campagne, on n'a pas entendu pratiquement les politiques, on n'a parlé que de ça. Ça, je trouve ça assez symptomatique de l'emballement qu'il peut y avoir ici sur des thèmes périphériques. En plus, nous, nos journaux, ils sont à 19h et 19h30. La France, c'est 20h, mais nous, c'est 19h, 19h30. Donc si on a une information, est-ce que c'est pas tout simplement faire notre travail que donner l'information recoupée que nous avons à l'heure d'écoute de notre journal? Et dans ce décor, on va la pleurer. Il y a toujours dehors.